Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Concestor Automobile. Aujourd'hui, pas de review, pas de test non plus, mais on donne la parole au propriétaire et on commence tout de suite avec un fidèle client qui a déjà acheté deux autos, dont une sublime Mercedes SLS AMG Roadster. Bon visionnage. Alors ça remontait à très très longtemps parce que depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé feuilleter les revues automobiles et puis progressivement en tombant sur les numéros spéciaux qui sortaient une fois par an dans lesquels on trouvait tous les modèles de la production, j'ai commencé à voir celles que je préférais. De la balade essentiellement, pas de piste parce que je préfère utiliser les voitures des circuits quand je vais sur piste, mais essentiellement de la balade, c'est un vrai plaisir de rouler dans un véhicule qui ronronne, qui a une allure un peu différente, voilà, ça rajoute au panorama, ça rajoute au décor et c'est très agréable. Alors avant cette voiture, j'ai eu des Audi, des BMW, Audi et BMW essentiellement. Notamment, juste avant celle-ci, c'était une Audi R8. Parce que c'est la voiture de mes rêves. En fait, c'est la voiture de mes rêves. La SLS coupée, quand elle est sortie, tout de suite, j'ai flashé. Je pense ne pas être le seul. Et en achetant cette voiture, mon rêve c'était d'avoir un cabriolet. Et puis en même temps, elle réunissait deux éléments. C'est la SLS que j'appréciais, même si c'est pas les porte-papillons, mais elle a quand même son charme. Et le cabriolet pour la balade. Voilà donc la communion de deux rêves. Le son. Le son, il y a un moment magique, c'est le démarrage. Après, tous les autres sont magiques aussi, mais le démarrage, c'est l'entrée dans le rêve, c'est l'entrée dans le moment agréable, voilà, c'est la porte d'entrée, donc c'est pour ça que c'est ce que je préfère le plus. L'été dernier, la route des Grandes Alpes, en passant par le col du Hautarez, le col du Galibier, par Valoire, avec un très beau soleil, la montagne, que de belles choses. J'ai presque envie de dire, en l'achetant déjà, c'était un rêve, donc c'était à faire, je n'aurais pas pu louper ça. Alors en fait, il n'y en a pas beaucoup d'autres après celle-ci. Il n'y a pas beaucoup d'autres. Après, on peut entrer dans des voitures qui sont fabuleuses parce qu'elles sont puissantes, parce qu'elles sont très belles, parce qu'elles sont rares. Mais celle-ci réunit vraiment quelque chose que j'évoquais. C'est un modèle qui me plaît, c'est un modèle qui est intemporel, c'est un modèle qui traverse les époques et sans doute encore les traversera pendant longtemps. Donc, un modèle de rêve, il faudrait qu'il réunisse tout ça. Mais pour l'instant, celui qui me semble le mieux réunir ces éléments, ce serait peut-être celle-ci. Alors, s'il faut vraiment que je fasse une liste, je vous parlerai plutôt de mon numéro 2. Et mon numéro 2, ça pourrait être une Ferrari 458 Aperta. Ça, c'est une très belle voiture. La mienne. Mais sinon, la Lamborghini Aventador S est un très beau modèle aussi, qui a sa dose d'émotion, qui a aussi son côté rareté. Donc c'est un modèle de choix, c'est un modèle à considérer. Alors, à défaut d'avoir choisi une SLS au départ, en fait, je suis venu ici parce que j'étais juste venu voir une voiture qui ressemblait un petit peu à la SLS. C'était une AMG GT. Je suis venu la voir et je suis reparti avec une R8 en vrai.
Et ensuite, la R8 est repartie pour la SLS. Donc, c'est mon histoire avec Concept Sport Automobile. Et j'ai trouvé de très bons conseils ici. J'ai trouvé que les arguments qui étaient mis dans la discussion étaient des arguments qui me parlaient, à moi passionné d'automobile. Donc c'est pour ça que quelque part, je me suis dit, c'est ici qu'il fallait acheter une voiture. Alors un mot pour l'équipe, ce serait de rester aussi passionné. Rester aussi passionné parce que je rajouterai un petit complément sur mon expérience d'achat. C'est qu'en achetant mon véhicule, j'ai eu quelques mauvaises surprises, ça peut arriver. Et là, il y a deux choses que j'ai beaucoup appréciées. La première, c'est qu'il m'avait suggéré de souscrire une garantie et j'ai fait confiance à la souscrivant, donc ça a été utile. Et la deuxième, c'est qu'au-delà même de la garantie et du contrat qui allait avec, il y a eu un vrai suivi sur la résolution du problème. Et ce suivi a permis d'aboutir à un bon résultat. Et je pense que ça fait partie des choses les plus importantes. Au-delà d'acheter, on a besoin d'un service après-vente, on a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'une confiance et de donner sa confiance aussi. C'est ce qu'on trouve ici. Donc ce que j'ai envie de dire à l'équipe, c'est de continuer sur la même lancée. C'est important.